Salutations les potos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en réalité virtuelle. Et comme vous pouvez le constater, je vais jouer au chirurgien dans Chirurgical Simulator. Le jeu est gratuit, donc ça c'est plutôt cool. Hein. Par contre, il est vraiment pas évident à prendre en main. Pour l'avoir testé, c'est extrêmement complexe à manipuler. Donc on est censé donc manipuler des outils par je sais plus comment ça s'appelle, là, avec les petits trous endoscopie, tout dans le genre. Donc on va utiliser les différents instruments ici. Et le jeu est assez dégueulasse aussi, je viens vous prévenir, pour les âmes sensibles. C'est vraiment Cradock, je vous laisse découvrir ça avec moi, c'est parti. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est horrible. C'est dégueulasse. Oh là, c'est quoi ce truc? Ah, c'est dégueulasse. C'est ignoble. C'est quoi ce jeu? C'est juste... Oh là là. Allez, viens voir ici. Allez, c'est bon. Il va pas venir. À mon avis, le jeu n'est pas conçu pour les touchs, mais plutôt pour l'HTC Vive. Ce qui... facilite pas la précision du truc. On va essayer d'attraper lui. C'est... Allez! Allez! J'y arrive pas. Par contre, si je fais ça, je crois que je vais le tuer. Ah, oh, ça y saigne. Ouais. On a pris le scalpel. Du coup, ici, on va prendre les forceps. On va essayer d'attraper ça. Parce que le scalpel, j'arrive à mieux... à mieux gérer. La main gauche, c'est plus compliqué. Je sais pas pourquoi. C'est juste enfer. Donc, okay, donc apparemment, je peux tourner ça. Ok, donc ça y est, bien comprend. Ah, ça y est, là ça marche. Là ça marche. Je sais pas ce que je fais là, je sais pas c'est quoi le bruit. Crac! Attrapez un. Attends, je vais essayer de l'amener par là-bas. C'est pas du tout logique la façon de jouer. Paf! C'est dégueulasse, on dirait de la grosse gélatine. En fait, on est dans quoi là? C'est quoi ces... c'est quoi cet endroit du corps humain? Bon. Ok, on va essayer de clamper, mais du coup, avec la main droite qui fonctionne, hein, c'est pas facile. Ok, il faut que j'enlève le polype. Alors, du coup, c'est vraiment pas évident parce que... ah, si, en fait, faut vraiment que j'aille vers le bas. Ou alors, peut-être parce que je suis pas en position assise. Je crois que le jeu est fait pour être joué assis, confortablement. Hop, voilà. Le problème, c'est que je suis pas forcément bien mis, mais bon. Il faut que je tourne la maille comme ça. Donc ici, donc je chope ça. Ici, il faut que je fasse comme ça. Attends. Comme ça. Ah, non. Mais c'est quoi ce bordel? Oh, c'est horrible. Comment ça? Attends, on va essayer de prendre celui-ci. Peut-être parce qu'il parle de ça. Ce bruit est absolument stressant. Allez. Tutoriel finish. J'ai rien compris de ce que j'ai fait. Donc j'ai droit à quoi? À des forceps. À des forceps. Ah ouais, d'accord, faut que je me passe ça entre les mains. Ouah, c'est chaud ça.
Alors, déjà que j'ai du mal. J'ai toujours pas compris comment ça marche. Ouais, c'est ça. En fait, quand je choisis le truc, il faut vraiment que je... Ouais. Voilà. Il faut que je le mette dans le bleu. Voilà. J'en récupère un autre. Tac. Tac. Je vais mettre la bonne couleur. Et hop là. Ah. Ah. Non, ici toi. Parce que je vois pas vraiment ce que je fais. Alors on va faire comme ça. Crac. Ok. Ah mince. Ah. C'est pas évident du tout. Hein. Allez, attrape ça. Ok. Bon, ça, ça va être plus simple. Ok. 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 Voilà. Et après, on attaque la vraie opération. Hein. Ça, c'est l'entraînement. Ok. D'accord. Et voilà. Quoi, faut que je refasse ça dans l'autre sens? Voilà. Allez. Ok, donc je dois couper les polypes et les mettre dans le sac, couper ça et mettre dans le sac, et le patient ne doit pas perdre son sang. Ok. Ah, il est en train de perdre son sang là-bas. Où est mal les fesses, là. Ok. Il a failli perdre son sang, mais j'ai sauvé la vie. Je suis un bon chirurgien. Crac, viens voir ici, toi. Voilà, ça c'est pas évident. Ça c'est pas évident. Hop. Ok, attends. T'inquiète pas, mon gars, tout va bien se passer. Non. J'ai suivi une formation où il s'agit de mettre des anneaux dans des pics. Franchement, si avec ça j'arrive pas à me former, j'arrive pas à te soigner, c'est que je suis très mauvais chirurgien. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Le jeu part en live. Putain, j'ai un gros lag d'un coup là. Attends, on va recommencer. Allez, nickel. Hop. Ah, c'est, je commence à être un bon chirurgien. Vous avez vu ça là? L'entraînement. Ah non, il va rebugger celui-là. Putain, faut pas que je fasse bugger. Hein. Ah, il tient plus qu'à un fil là. Voilà. Hop. Hop. Ça c'est fait. Alors maintenant ça. Je sais pas trop comment. Ah merde. Oh là. Le veil fade. Oh non! Alors du coup, Electric Cook, c'est ça qu'il m'a dit? Hook? Il dit Cook, mais Hook? On n'est pas en train de faire à bouffer, là. Don't burn blood vessel. Ah! Mais comment je suis censé faire ça, moi? Ok, donc c'est pas ça que je dois faire. Peut-être qu'il faut que je dégage juste... Voilà, c'est chaud là. Ah, d'accord, ok. Ok, ok, je commence à comprendre. Donc là, il faut que je prenne l'Ultra Casse Scalpel. Il faut que je coupe à l'endroit où c'était vert. Il faut y arriver à l'attraper. Hop. Donc. On sait rien, moi je sais pas si ça va fonctionner, on verra bien. Il me dit pas que c'est fail en tout cas pour l'instant. Level fail.
C'est tellement pas évident. Ici, on va choisir les forceps. Ici, on va choisir Electric and Cook. Et on va essayer de dégager. Alors, non, putain. Ah merde. Tiens, mais je vais pisser le sang, moi. Salopard, tiens, je te brûle tout, là, je te poule tout, voilà, tiens, je te brûle tes polypes à la cou... C'est un putain de jeu de patience. Bah, Don't Burn, il est marrant, lui, hein. Il a la moitié de sa vie là. Et moi je suis au bout de la mienne. À un moment donné, il va me dire que c'est bon ou pas, parce que là. Ok. Enfin, cette réponse complète. C'était bien ça qu'il fallait faire. Voilà. Donc maintenant, on va choisir. Non. Voilà. Donc on va essayer de choper. Ça. Ok, parfait. Ensuite, on va s'occuper de ce polype là. Ok, nickel. Maintenant, on va s'occuper de celui-ci. On va essayer de pas faire le con. Dans le sac. Ah, il faut encore que je coupe là, d'accord, ok. Doucement. Oh non! Putain! Salaud! Tiens, je t'arrache les veines pour la peine, tiens. T'as regardé, je te coupe les veines, là, regarde. Crac! Je vais te vraiment tuer, moi. Ah là! T'aimes ça quand tu saignes, hein? Oh, il se barre où, lui? Hé, ver de terre, viens voir ici. Oula! Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai vraiment bien rigolé sur ce jeu. C'est assez particulier, certes, mais c'est plutôt fun, c'est gratuit, c'est sympa. Et c'est assez dégueulasse aussi, hein. Il faut dire ce qui est. Bon, si vous en voulez encore, si jamais vous voulez que j'essaye vraiment d'aller plus loin dans les différents niveaux, n'hésitez pas à mettre le petit commentaire hashtag encore, comme ça je le saurai. Et n'oubliez pas aussi de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!